Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. Eh bien, c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu manqué. Je sais que j'avais eu pas mal de messages en mode « Mais quand est-ce que tu refais une vidéo sur Overwatch ?» Je n'avais pas fait la vidéo des 2 ans puisque j'avais fait une vidéo sur les 1 an d'Overwatch. Eh bien là, ça va être la suite. Mais c'est vrai que je vais faire part aussi un petit peu de mes sentiments personnels. C'est vrai que avec cette vidéo on va faire une rétrospective donc de la deuxième et de la troisième année d'Overwatch. Donc c'est un petit peu la vidéo sur les 3 ans d'Overwatch. La première année, encore une fois, c'est une vidéo que j'ai déjà mise, je la mettrai dans la description et dans les fiches. Donc on va se concentrer à peu près donc à la fin de cette vidéo que j'avais faite. Donc c'est la sortie de Doomfist en gros. Donc on va passer de Doomfist, donc mi-2017 à peu près, jusqu'à 2019, donc la BlizzCon 2019. Et vous allez voir que là on pourrait se dire la période est incroyable, 2 ans et demi, il a dû se passer énormément de choses. C'est pas tant que ça, malheureusement. Et c'est aussi une des raisons qui m'a un petit peu déhypé, je dirais, par l'histoire d'Overwatch, parce que je défends Overwatch depuis le début en disant justement qu'il y a une histoire très intéressante. Malheureusement beaucoup de joueurs passent à côté. Mais c'est vrai qu'on a eu, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la bouche, enfin sous la dent plutôt, sous la bouche, sous la dent pendant un bon moment. Et on a eu des miettes en fait par-ci par-là et ça a été très compliqué de faire cette vidéo, je vous le cache pas, parce qu'il a fallu essayer de chercher un peu partout. Et du coup, eh bien, on va essayer de revenir là-dessus. Donc d'ailleurs, j'ai pas choisi cette image au hasard, puisque c'était la vidéo Recall qui permettait à Winston eh bien, de faire appel à Overwatch. Et pour vous donner une petite idée, j'y reviendrai après, mais pour vous donner une petite idée, la dernière grosse nouveauté concernant l'histoire d'Overwatch, c'est la nouvelle sur Jean-Baptiste Augustin, donc Baptiste pour les joueurs. Et au final, eh bien, ça date de 3 jours après cette vidéo. Donc 3 ans d'Overwatch, le dernier truc, c'est 3 jours après. 3 jours après cette vidéo qui date de 3 ans. Voilà, j'ai trouvé que pour faire une introduction, ça montrait un petit peu le fait que Overwatch est un peu en stase en termes d'histoire. Il y a également une raison qui explique cette stase, on va dire cet état un petit peu somnolent de l'histoire d'Overwatch. On y reviendra à la toute fin. Maintenant, on va commencer par les personnages. Donc, quels sont les héros d'Overwatch qui sont sortis à courant 2017 jusqu'à 2019? On va faire des petits résumés sur l'histoire de certains personnages. La plupart des persos, j'ai fait une vidéo sur eux. Certains non, et je le ferai à l'avenir, ne vous en faites pas. Le problème, c'est que comme je vous le dis souvent, il y a des vidéos que je veux faire et j'attends parce que il y a les BD, il y a des nouvelles qui sortent. Et des fois, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que la BD sorte en même temps que le perso. Comme ça, eh bien, on a un bon socle pour faire une vidéo. Et des fois, j'attends à tort, typiquement Moira. Et parfois, je le sors. Doomfist, j'ai failli me faire avoir, mais par exemple, Baptiste, je me suis fait avoir, une nouvelle est sortie peu après. Enfin bon, du coup, le personnage que j'avais évoqué, qui était d'un des personnages au bout de la première année, qui était quasiment sûr de sortir, c'était Doomfist. Donc voilà, Doomfist était le premier véritablement personnage de 2017 depuis ma vidéo. Ensuite, il y avait Moira qui était sortie à la BlizzCon. Donc je rappelle que Moira, c'est un personnage de la griffe, donc plutôt négatif, on va dire... menaçant, qui est hostile à Overwatch, qui a fait partie d'Overwatch et qui a ensuite rejoint la griffe. C'est une des conseillères, on va dire, de Faucheur, donc Reaper, et de nationalité irlandaise. Nous avons ensuite Brigitte qui avait été introduite dans... alors c'est pour ça que ça a été une grosse demande des fans, qui était arrivée début 2018. C'était tout simplement, eh bien, c'est le page, l'écuyer de Reinhardt, et qui est également la fille de Torbjörn. Donc elle est suédoise, et son parrain, ce qu'elle considère comme son oncle, est Reinhardt, le croisé le plus connu. Nous avons ensuite, été 2018, donc mi-2018, nous avions un hamster dans une boule. Nous avions Amande, donc Wrecking Ball en anglais, ou tout simplement en français c'est Bulldozer. C'est le Bulldozer, donc Amande, qui à la base d'ailleurs devait être un singe, qui devait être un peu le Koba de Winston, qui devait être sa version hostile. Finalement ils en ont fait un hamster. Je sais que beaucoup se disent, un peu comme les Pandaren de Warcraft, que c'est du coup marketing. Il y a quand même une raison derrière, c'est que Winston, les singes dans la recherche sont utilisés pour essayer de travailler des sérums et autres, et les autres c'est les rats et également les hamsters. Donc au final c'est un autre cobaye d'expérience qui a bien ou mal tourné, ça c'est à vous de voir. Donc voilà pour ce qui est du hamster. Après bien sûr il y a potentiellement un intérêt marketing derrière, mais il y a quand même un kit qui était très intéressant. Et donc son histoire par exemple,
on peut le relier à quel autre personnage? Eh bien, Amond est déjà bien sûr relié avec Winston, mais c'est surtout relié avec Junkertown, hein, avec la ville australienne. Donc il y a un lien, il a combattu dans les arènes de Junkertown, donc il y a des liens avec Chacal et Rodog. Nous avons ensuite donc 2018, la BlizzCon 2018, nous avions eu la sortie de Ash. J'ai fait une vidéo sur l'histoire de Ash, donc je vais passer très rapidement. J'ai fait également une vidéo sur l'autre personnage qui est sorti donc en 2019. C'est le premier personnage de 2019 à être sorti, c'est Jean-Baptiste Augustin, je le rappelle, c'est JB pour les intimes, hein, qui tout le monde appelle Baptiste, mais c'est Jean-Baptiste, qui est un haïtien. Je rappelle que Ash est juste américaine, bien sûr, et rivalité avec Macri, voilà. Ensuite, je vous laisse aller voir la vidéo sur Ash et son acolyte, son aide, son majordome Bob. Nous avons ensuite donc Jean-Baptiste Augustin, haïtien, qui est tout simplement un personnage assez intéressant. Je pense que je ferai une vidéo un de ces quatre sur la nouvelle, parce que c'est vrai que je l'avais. J'étais vraiment dans un moment où j'en avais, ça me saoulait un peu, surtout que je venais de sortir la vidéo de Jean-Baptiste, j'étais un peu hypé et tout. Il y a eu la nouvelle qui est sortie sur Jean-Baptiste, j'étais là, non mais c'est pas vrai, je viens de faire ma vidéo un mois après cette vidéo, il y a la nouvelle qui sort, ils n'auraient pas pu le sortir un mois avant. Et j'étais dégoûté, et j'avoue que je l'avais pas lu, j'avais lu le début, et ça m'avait saoulé, j'avais arrêté. Et je l'ai relu pour préparer cette vidéo, et honnêtement, elle est super intéressante, et je trouve que c'est le plus, depuis 2 ans et demi, c'est la meilleure avancée de l'histoire d'Overwatch, avec notamment les liens, on voit un peu comment certains personnages rejoignent la griffe. Notamment eh bien, Jean-Baptiste. On découvre de nouveaux personnages. On y reviendra après dans les futurs personnages qui seront potentiellement amenés dans Overwatch, notamment Moga. Et c'est vrai qu'il y a aussi les liens entre Overwatch, Overwatch et la griffe. On a également, donc avec les différentes manipulations qui peuvent arriver, des personnages tierces, mais également le lien avec la cinématique Recall que je vous ai dit en début de vidéo. Donc voilà, c'est quand même vachement intéressant. Et on voit aussi les exactions, et que chez la griffe, il n'y a pas que des connards non plus. Il y a aussi des gens qui se sont engagés parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et c'est un peu dur d'en sortir. Donc c'est vachement intéressant. J'ai beaucoup aimé cette petite nouvelle. Nous avons le dernier personnage de 2019 à être sorti. Il n'y a que 2 personnages pour le moment en 2019. Normalement, à la BlizzCon, il devrait y en avoir un. C'est Sigma. Sigma, donc hollandais, hein, je rappelle, Jean-Baptiste Augustin est haïtien, c'est pour ça que ça fait des connotations françaises. Parce qu'Haïti a été une colonie française. Nous avons donc le dernier personnage, très sympa d'un point de vue. Je ferai également une vidéo sur lui, j'attendais des nouvelles qui ne sont jamais arrivées, évidemment, sauf quand je vais évidemment préparer cette vidéo. Mais nous avons Sigma, donc hollandais nationalité, et qui est un chercheur qui est. A fait des expériences, on dirons-nous, interdites sur lui-même. C'est un peu le docteur Octopus de Spider-Man, sans les bras derrière. Et finalement, il veut prouver qu'il a raison, etc. Et il a été complètement bridé par... Un peu à l'image de Moira, il a été un peu bridé par Overwatch. Il a même été arrêté, puisque ses expériences ont provoqué des gros problèmes. Et du coup, il est passé du côté obscur, puisque la griffe lui a proposé de travailler toujours sur ses projets, mais il fallait qu'il ait de la griffe, et c'est comme ça que les agents de la griffe souvent sont recrutés. Donc voilà, c'est les 2 seuls persos de 2019. Lui, il est sorti été 2019. Et donc il y aura très probablement un personnage qui sortira dans quelques jours à la BlizzCon 2019. Nous allons pouvoir parler maintenant des événements annuels. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, en termes de lore, en termes d'histoire d'Overwatch, fait avancer ou pas. Parce que c'est vrai que l'histoire d'Overwatch, c'est toujours un petit peu difficile. J'ai déjà fait des vidéos dessus, donc je vais résumer, mais je vous laisse aller les voir. Mais en gros, Overwatch, comment on découvre le lore est bizarre. Parce que c'est pas fait de manière naturelle. Par exemple, les Warcraft, les Starcraft, les Diablo, dans les licences, dans les différentes licences, ça a souvent été on commence par cet épisode-là et on avance. Overwatch ne se configure pas du tout comme ça. C'est-à-dire que, en fait, la période actuelle d'Overwatch, c'est Overwatch a été démantelé et Overwatch est en train de se reconstruire, notamment par sous l'impulsion de Winston. Et certains anciens agents d'Overwatch répondent à l'appel et de nouveaux agents d'Overwatch rejoignent Overwatch. Enfin, des nouvelles personnes rejoignent Overwatch, c'est la première arrivée d'Overwatch. Mais Overwatch est illégal. Et du coup, tout le monde n'a pas encore accepté ou non l'intégration de cette nouvelle Overwatch, cette Overwatch 2.0. On en est là, voilà. Donc c'est ça le speech actuel. Sauf que du coup, comme Overwatch est une nouvelle licence, il faut bien développer un peu l'histoire d'Overwatch. Et il y a beaucoup de flashbacks. Il y a également les origin story pour voir tout simplement l'histoire d'un personnage, et on revient sur son histoire, sur son enfance, difficile ou non, et on travaille là-dessus. Et chaque année, il y a ce qu'on appelle les événements archives, qui arrivent très souvent au printemps, début de l'été, printemps hein, généralement. Et ça avait commencé en 2017 avec Insurrection. Insurrection, j'en avais déjà parlé en vidéo, mais Insurrection, j'ai fait la BD d'ailleurs, mais Insurrection,
Donc c'était le secteur 0, donc des Omniacs qui se rebellaient contre le gouvernement britannique et Overwatch intervenait. Donc c'est un flashback, c'est un, on revient dans le temps. Ensuite, il y avait Représailles en 2018 qui se passe après aussi dans l'histoire, après Insurrection. Donc des fois, c'est un peu flou, on sait plus. Est-ce que c'est avant? Il y a à peu près trois périodes d'origin story qui arrivent. La période actuelle, la période des jeunes recrues, genre D.Va et autres. Vous avez la période démantèlement d'Overwatch et les crises qui peut y avoir, également D.Va. Et nous avons encore plus vieux, c'est le début de la crise des Omniums avec les origin story, par exemple, de Bastion et de Reinhardt. Donc souvent, parfois, ça peut être un peu flou pour les joueurs. C'est pour ça que j'ai fait la chronologie dans l'histoire d'Overwatch. Donc, Représailles, c'était quoi? C'était tout simplement, cette fois, Overwatch était une émission officielle pour Insurrection. Là, cette fois, c'est Blackwatch, comme vous le voyez au logo. Donc, c'est la partie sombre d'Overwatch, celle qui agit sans autorisation internationale. Et la mission donc se passait à Venise. C'est tout simplement donc la map Rialto qui va être créée. Et c'est tout simplement donc la mission de Blackwatch contre la griffe, donc c'était justement l'antagoniste, et on essaye un petit peu de court-circuiter la griffe, Talon en anglais. Ce qui fait qu'on avait en mission, on avait Genji, Makri, Moira et Reaper. Pour ce qui est David Tempête, qui est sorti en 2019, donc printemps 2019, nous avions une mission à la Havane, et je vais vous mettre une petite vidéo qui était absolument superbe, donc l'intro et l'outro, la intro et conclusion de cette mission PVE. Donc on va regarder ça tout de suite, comme ça plutôt que je vous baratine avec mes mots, avec mes paroles, on va tout simplement regarder la vidéo, elle vous donnera le contexte et la fin de cette vidéo. Au rapport. J'ai la cible en vue, capitaine. Ça faisait un moment qu'on attendait que Maximilien se montre. C'est maintenant ou jamais. Aucune pression, alors. Ah! Je me suis fait des amis! Autorisation d'attaquer. Équipe d'intervention, allez-y et éliminez la protection de Maximilien. Prévenez les autres. Il semblerait que nous ayons des invités. Salut les gars! Oh, il va m'échapper! La situation sera bien plus compliquée s'il atteint sa planque. Alors faisons en sorte que ça n'arrive pas. C'est pour qui? Attention, il nous faut Maximilien vivant. Lui seul pourra nous mener jusqu'à la griffe. Ce n'est pas à moi que vous devriez dire ça. T'en fais pas, il ira pas bien loin à pied. Ne soyez pas trop optimiste. La tempête se rapproche et Maximilien a de la ressource. Je vous fais confiance. Mais essayez quand même de ne pas tout faire exploser. Non, là, je promets rien. Tu comptes aller quelque part, Max? Tout ceci est-il vraiment nécessaire? Nous devrions pouvoir trouver un terrain d'entente. Vous n'êtes certainement pas en position de négocier. Suivez-nous sans faire d'histoire. Nous savons tout ce qu'il y a à savoir sur vous et vos associés. Vous savez, j'ai de nombreux associés. Mais peut-être que mon offre n'était pas suffisamment claire. Mes ressources sont, pour ainsi dire, illimitées. Alors dites-moi, que recherchez-vous exactement?
Vous pouvez arranger une rencontre? Et qui donc souhaiteriez-vous rencontrer? Mon ami, le monde n'est pas encore prêt à comprendre les idées de visionnaires tels que nous. Objectivement, j'ai du respect pour ce que vous voulez accomplir. Vous vous battez pour votre peuple, une cause noble, mais qui n'a aucune chance de triompher, à part avec l'aide de la griffe. Dans ce cas, il vous reste une chance. Vous avez toute mon attention. Voilà comment se terminait tout simplement cet événement PVE, hein, tout simplement. Et c'était plutôt cool, c'était plutôt cool. Alors bon, la VF, moi j'aime beaucoup la VF d'Overwatch. Bien sûr, la VO est également excellente. Par contre, c'est vrai que Maximilien a une VF dégueulasse. Mais donc voilà, pour le contexte, c'était, comme vous l'avez vu, il y a 6 ans. Et en l'occurrence, donc c'était une mission à la Havane où il fallait capturer Maximilien. Si vous faisiez la mission, vous voyez déjà qu'il y avait des dissensions au sein même du QG d'Overwatch, puisque certains voulaient garder Maximilien, alors que là, s'il y a juste un échange oral, il donne une information, il va transmettre une info et c'est tout. Par exemple, Blackwatch et notamment Reaper voulaient, enfin, il n'était pas encore Reaper, c'était simplement Gabriel Reyes, voulait récupérer Maximilien pour le torturer, l'interroger, hein, Guantanamo style. Donc il y avait déjà une idée, on voyait un peu les dissensions apparaître. Mais en l'occurrence, ce qui était assez intéressant, c'était la fin avec Doomfist, qui n'était pas encore, puisque ça se passe avant les événements de Numbani et la cinématique des origines de Doomfist. Donc Doomfist qui justement parlait avec ce mystérieux personnage et qui disait, alors ça se passait au Caire, hein, pour ceux qui n'ont pas vu à la fin, ça se passe vraiment au Caire, et on a donc visiblement un Omniac qui voulait en gros une espèce de séparatiste terroriste qui veut essayer de probablement de donner des droits à son peuple, en tout cas en Égypte, et Doomfist veut l'aider. C'est comme ça qu'on recrute du côté de la griffe de nouveaux personnages. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est pas nous sommes des méchants, unissons-nous, non, c'est pas ça. C'est vraiment, vous avez des demandes, vous avez un but, eh bien la griffe peut vous aider à y parvenir, par contre il faudra nous aider, ça va dans les deux sens. Donc il y a vraiment ce côté sirène un petit peu, ce côté on appelle et on peut vous aider à tenir vos promesses et autres, mais par contre vous nous aidez en retour. C'est un peu le pacte obscur, bien sûr, mais c'est vrai que c'est assez intéressant à ce niveau-là, on voit un peu le recrutement. Derrière, on va parler justement des cartes, puisque comme on l'a vu, ces événements ont amené parfois de nouvelles cartes. Donc courant 2017, on a vu la colonie lunaire Horizon qui était sortie, super map, et c'est la map tout simplement, c'est la carte de l'histoire de Hammond et de Winston, hein, qui tout simplement étaient des sujets de recherche sur la Lune, tout simplement. Nous avons ensuite le château Guillard, qui est le château des Lacroix, hein, Amélie Lacroix, donc Fatal, c'est le château de la famille, c'est le château de la famille. Alors c'est pas une vraie map, c'est les maps d'arcade, bien sûr, il y a aussi les maps d'arcade, on a intégré les maps d'arcade, donc qui étaient sorties aussi, étaient 2017, ça avait été assez prolifique, hein, l'été 2017. On avait eu ensuite, donc c'est en France, hein, bien sûr, le château Guillard. Junkertown en Australie, qui est la ville des Junkers, de ce qu'on appelle les Junkers, donc la ville de Chacal, de Rodog et également de la reine de Junkertown. On en reparlera après dans les potentiels prochains héros. Donc Junkertown, c'était vachement intéressant, une carte très cool. Et honnêtement, elle avait pas mal hypé le monde. Et elle était sortie, si je ne dis pas de bêtises, à la Gamescom, donc août 2017. Nous avions à la BlizzCon 2017, nous avions donc, vous savez, bien sûr, on en reparlera après, mais la cinématique de Reinhardt. Et nous avions la nouvelle carte Blizzard World, qui faisait un parc d'attractions sur les thèmes des licences Blizzard. Donc il y a du Starcraft, du Diablo, du Heroes of the Storm, du Warcraft, tout ça, tout ça. Ensuite, donc, si je ne dis pas de bêtises, c'était début 2000, je crois que c'est soit fin 2017, soit début 2018, donc on avait Ayutthaya. Alors cette carte, donc c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est tout simplement les... En termes d'histoire, elle apporte pas vraiment grand chose, c'est juste que Moira a été faire certains business là-bas. C'est même pas Oasis en plus, donc non, cette carte, je crois qu'elle est arcade. Peut-être là-dessus je me trompe. J'avoue que cette carte-là, elle a pas énormément de points intéressants, donc je vais rapidement passer surtout à Rialto. Rialto, c'est tout simplement la map qu'on a évoquée dans les événements d'avant, puisque c'était une carte d'archives, donc c'était en gros la map de Venise, où vous aviez les missions de Blackwatch contre la griffe. Donc ça, c'est Rialto, c'était super intéressant, c'était vraiment en plus la map qui liait l'événement PVE, l'histoire d'Overwatch,
avec les origines et autres, donc ça c'était super intéressant. D'ailleurs, dans la nouvelle, on y reviendra après, dans la nouvelle de Jean-Baptiste, on sait en plus que l'Italie est un pays très important pour la griffe, puisque la, la capitale serait Rome en fait, hein. Ce serait Rome tout simplement, le QG de la griffe. Donc nous avons ensuite Petra qui était sortie, alors je crois que c'est une ou deux semaines à peu près d'intervalle avec Rialto, donc c'était le printemps 2018, qui est une map arcade, donc on la voit pas dans les maps compétitives et autres. Nous avons ensuite Busan qui était sortie, donc cette map coréenne, c'est tout simplement la carte où les mechas, donc les soldats, je vous laisse aller voir la vidéo sur D.Va, et j'avais fait une vidéo d'analyse sur D.Va, la vidéo justement c'était c'était Lumière ou quelque chose comme ça, mais c'est tout simplement la cinématique avec l'origin story de D.Va. J'avais fait une longue analyse dessus, donc je vous laisse aller la voir. Mais en gros, Busan, c'est l'endroit, c'est le QG des forces armées coréennes qui luttent contre les Omniacs, qui veulent détruire Busan et la Corée. Donc ça, c'était assez intéressant. Ils avaient fait une carte plutôt cool. Enfin, j'ai un peu joué dessus et c'est vrai que c'est assez sympa. Parfois, un petit peu compliqué de tenir certaines positions, mais ça n'a rien à faire là. Ensuite, donc pour ce qui est de 2019, début de 2019, on avait eu Paris qui était sorti. Donc c'est bien sûr la Paris très romancée. Ce qui était assez intéressant avec au niveau de l'histoire de Paris, on savait que, si vous avez vu ma vidéo sur l'histoire d'Overwatch, Paris était un des théâtres de la guerre Omnium, de la guerre des Omniacs, donc la guerre des Omniums, crise des Omniums, et en l'occurrence Paris, c'est vrai que ça avait été, on voyait qu'il y avait eu beaucoup beaucoup de conflits, et au final, un petit peu l'image de Numbani, Paris, on voit que c'est une cité un peu idyllique, où on s'est très très bien remis de cette troisième guerre mondiale, et là, les Omniacs et les humains semblent vivre en paix. Donc ça c'est intéressant, c'est vraiment la France romancée américaine qui est vue par les anglo-saxons, la France de la noblesse, où il fait bon vivre, tout ça, les gens parlent bien, c'est vraiment la France romancée évidemment. Parce que ça se passe pas comme ça, je pense que vous le savez, mais c'est plutôt cool de voir ça. Ensuite on a la Havane qui était sortie peu après justement la nouvelle sur Jean-Baptiste Augustin. Et la Havane c'était bien sûr la mission de l'événement qu'on a vu, et c'était la dernière map de 2019 à être sortie. Donc voilà pour ce qui est de la Havane, donc la Havane Cuba évidemment. C'était la mission où il fallait capturer Maximilien, un petit peu à l'image de Rialto. Donc voilà pour toutes les maps qui sont sorties. Certaines sont arcades, d'autres des vraies maps, et c'est assez intéressant de voir. En termes de maps, ça va, il y a quand même eu pas mal de cartes en 2 ans et demi, je dirais, d'existence. Maintenant, parlons cinématique. Et là, ça va faire mal. Ça va faire très très mal, pour le coup. Donc, tout ce qui est origin story ou... bah voilà, c'était Sous les Feux de la Rampe. J'avais oublié le nom de la cinématique pour D.Va, Sous les Feux de la Rampe. En l'occurrence, donc, pour ce qui est des cinématiques, on en a eu que 4 en 2 ans et demi. Commençons par le réveil qui avait eu lieu fin de l'été 2017 à la Gamescom 2017. Le réveil, c'était tout simplement... Alors, je n'ai pas fait d'analyse dessus, puisque sinon j'ai fait des analyses pour les 3 vidéos. Le réveil, je ne l'avais pas fait parce qu'elle nous apportait pas grand-chose. Donc, j'en avais parlé en stream, mais j'avais pas fait de vidéo YouTube là-dessus, parce que bon, je trouvais qu'il y avait pas non plus des milliards de choses à dire. C'était l'origine story qu'on avait déjà en texte sur Mei. C'est juste qu'on nous montrait à quoi ça avait ressemblé, et c'est vrai que ça nous montrait que bah, Mei elle avait perdu toutes les personnes qu'elle connaissait, et elle a été un peu perdue dans le temps. Et c'est d'ailleurs une thématique un peu liée à Tracer, mais elle, c'est vraiment l'idée qu'elle a été en stase pendant des années, et du coup tous ses amis sont morts, et elle arrive dans un monde qu'elle ne connaît plus. Faut qu'elle, elle vient d'une autre époque, quoi. Il y a l'idée qu'elle vient d'une autre époque, sans passer par les voyages temporels dégueulasses, hein. Clin d'œil Warcraft. Donc, le réveil, Gamescom 2017, l'origin story, tout simplement, de Mei, donc le protagoniste chinois d'Overwatch. Nous avions ensuite, avec la BlizzCon 2017, Honneur et Gloire, une vidéo super intéressante sur Reinhardt, avec justement la crise des Omniums. Donc là, c'est Reinhardt qui est pas tout jeune. Je rappelle que Reinhardt, c'est l'un des personnages les plus vieux d'Overwatch, et c'était dans sa jeunesse, comment il a perdu son œil, son maître Balric qui lui enseigne un petit peu la voie des croisés et autres. Donc, et c'est ce qui va d'ailleurs complètement caractériser, on va dire, Reinhardt pour l'avenir. Son comportement va tout simplement découler de ça, de cette expérience traumatisante, et c'est super intéressant. Et on voit aussi le lien avec l'avenir, avec l'actuel, où Reinhardt se rappelle avec ce flashback de ce qu'il a vécu, et ensuite justement la musique est parfaite, c'est le moment où il accepte justement l'appel, le call de Winston. Il accepte justement l'appel de Winston et il va intégrer la nouvelle Overwatch. Nous avons ensuite donc 2018. Donc là c'était été 2018, enfin c'était, je crois que c'était juin, donc c'était fin printemps, début de l'été 2018, Sous les Feux de la Rampe. Super, honnêtement c'est probablement une de mes vidéos préférées. Pourtant j'aime beaucoup celle de Reinhardt et de Macri, mais c'est honnêtement une vidéo super intéressante. Moi-même j'étais très curieux, j'avais fait une vidéo sur D.Va, je voulais voir le côté traumatisant de D.Va, le côté conflit qu'il y a en Corée du Sud. C'est une situation
géopolitique très compliquée en Corée du Sud. Encore une fois, allez voir ma vidéo sur Diva pour le plus de détails. Et c'était super intéressant. Pour une origin story, on voit par exemple juste au-dessus Mei, où c'était pas... C'était sympa, mais je veux dire, objectivement, ça donnait pas des choses incroyables en termes de lore. L'origin story de Diva, bon bah voilà, on savait comment ça se passait, mais on nous le montre beaucoup plus. Et on se rend compte que sous ses taunts et sous ses petits sourires, Diva, c'est vrai que ça abrite quelqu'un qui a été traumatisé, et un soldat qui est aux portes de la ruine et son pays potentiellement pourrait se faire détruire. Donc c'était assez intéressant sous les feux de la rampe. Et à la BlizzCon 2018, nous avions retrouvailles, superbe cinématique avec. Qui fait pas l'origin story de Macri, mais qui permet de lier l'origin story BD, qui permet de rappeler un petit peu l'histoire aussi de la map Route 66, qui se passe aux États-Unis bien sûr. Macri est aussi intégré deux nouveaux personnages, à savoir Ash, avec la rivalité Macri-Ash, je vous laisse aller voir la vidéo sur Ash bien sûr que j'ai faite, et ça teasait un prochain personnage pour 2019, à savoir Echo. Echo qui reprenait d'ailleurs l'aspect d'Athéna, hein, l'aspect qu'on connaissait d'Athéna mais finalement qui n'est pas pour Athéna. Donc une nouvelle IA, hein, je dirais une intelligence artificielle pour Overwatch. Donc Echo qui serait une sorte, c'est pas vraiment un omniaque mais comme c'est une intelligence artificielle c'est un être synthétique, on va dire être synthétique. Et c'est assez intéressant puisqu'on ne connaît rien d'Echo, donc on se disait bon bah voilà c'est un perso qui va sortir en 2019. Toujours pas. Et du coup ça fait qu'en cinématique, je vous rappelle que c'est avant la BlizzCon, il n'y a pas eu une seule cinématique en 2019. Le réveil, honneur et gloire 2017, sous les feux de la rampe, retrouvailles 2018. Donc à l'heure actuelle, en 2019, il n'y a pas eu une seule cinématique, que ce soit d'origin story ou actuelle. Évidemment, à la BlizzCon, il y en aura très probablement une, mais c'est quand même assez triste de se dire ça. Maintenant, parlons des bandes dessinées. La première année d'Overwatch, donc 2016-2017, avait amené énormément de bandes dessinées. Eh bien, c'est un peu pareil en bande dessinée. Peu de choses à se mettre sous la dent malheureusement. On avait le Ballet Masque, j'avais fait une vidéo spéciale sur Ballet Masque avec la sortie de Doomfist, donc je vous laisse aller la voir évidemment. C'est probablement celle qui apporte le plus de choses en termes de lore, où on voit un petit peu comment fonctionne la griffe et comment la hiérarchie, comment fonctionne la hiérarchie, la libération de Doomfist et tout. Donc je vous laisse aller voir la vidéo. Ensuite on avait l'Origin Story de Rodog avec la BD du coup Désolation, hein, de Junkerton. On voyait un peu comment ça se passait à Junkerton, comment Chacal avait rencontré justement Rodog. Donc ça c'était assez intéressant, comment Junkrat et Rodog s'étaient rencontrés. Donc une origin story, il n'y avait pas des milliards de trucs, mais on voyait un peu comment ça se passait à Junkerton. C'était quand même assez sympa, même si ça restait simpliste. Ensuite, donc ça c'était, c'était été 2017. Nous avons ensuite, un peu après la BlizzCon 2017, donc début 2018 ou fin 2017, nous avions La Recherche, qui était la réponse à la cinématique de la BlizzCon 2016. On aura attendu pas mal de temps quand même. La Recherche, c'est tout simplement la réponse à la cinématique de Sombra, d'introduction de Sombra, où on voyait, on voyait tout simplement Zarya qui était confié, enfin on lui confiait une mission de retrouver un petit peu, de faire la liaison, je dirais, entre les entreprises, les usines Volskaya et tout simplement donc Madame Dame Volskaya et le Sombra. Et du coup c'est Zarya qui avait été chargée de faire ça. Elle, on voit le soldat russe. Ce qui était intéressant avec cette BD, c'était le soldat russe qui est un petit peu blindé de préjugés envers les Omniacs, puisque je rappelle que la Russie est également en guerre contre un Omnium, donc les Omniacs, les Russes les supportent pas, beaucoup de racisme anti-Omniac en Russie, ce qui est compréhensible puisqu'ils sont en pleine guerre, et ce qui fait que elle change un petit peu d'opinion à l'égard des Omniacs au fil de la bande dessinée, et il y a la rencontre Zarya Sombra. Et c'est tout. Pas grand chose, on l'attendait celle-là, on se disait va nous ouvrir des choses, et au final pas beaucoup. Là ensuite en BD, il y en a deux qui n'ont rien à faire dans l'histoire, hein, c'est pour vous montrer aussi, c'est la Chasse au Yeti et Shackelstein, qui sont juste des bandes dessinées d'événements qui n'ont pas leur place dans l'histoire, hein, c'est juste des événements un peu pour amuser le monde et pour faire des petits événements in-game, mais donc dans l'histoire ça n'avance pas. La dernière véritablement bande dessinée à avoir fait avancer l'or, c'est Représailles, bande dessinée des événements de 2018, concernant l'événement Archive. Il n'y en a pas eu pour 2019. Encore une fois, c'est un petit peu triste. Et du coup, Représailles, j'avais fait une vidéo également sur Représailles avec comment justement on arrive à la mission sur Rialto, ou à Venise, où tout simplement notre cher Reaper, notre cher Gabriel Reyes qui deviendra Reaper dans le futur, est
mécontent des décisions d'Overwatch et c'est ce qui va amener petit à petit les dissensions au sein d'Overwatch qui va éclater, qui vont faire éclater Overwatch. Donc c'est assez intéressant de voir le fonctionnement de Blackwatch à ce niveau-là. C'était la dernière bande dessinée vraiment importante et encore une fois en 2019, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Nous avons ensuite les histoires courtes, donc des nouvelles, hein, pas des romans mais des nouvelles. Et c'est plutôt intéressant d'avoir ça puisque nous avions la nouvelle sur Anna et Soldat 76, Bastet. Honnêtement, la nouvelle n'est pas incroyable, mais ce qui a beaucoup fait parler, ce qui a eu énormément de polémiques, ça a été que dans cette BD, dans cette nouvelle, pardon, nous découvrions l'homosexualité de Soldat 76. Je voulais au départ faire une vidéo là-dessus, et je me suis dit, honnêtement, elle rapporte. Il se passe quoi dans la nouvelle? Alors, je vous invite à aller le voir, hein, si vous aimez l'histoire de Overwatch, je vous invite à la regarder, mais concrètement, il y a quoi? On apprend que Soldat 76 est homosexuel. On connaît un petit peu pourquoi Anna reste cachée, c'est pour pouvoir protéger un petit peu, tel un ange gardien, sa fille Farah dans Au Caire. Et le troisième élément, c'est quoi? C'est à la fin, Soldat 76 arrive à... Jack Morrison arrive à convaincre Anna de rejoindre la nouvelle Overwatch. Voilà, c'est les trois seuls points. Donc toute une nouvelle, donc une quinzaine de pages, pour nous donner ça comme élément, ça fait pas grand-chose. Par contre, comme je vous l'évoquais, en 2018 est sorti Le Poids du Passé, la nouvelle sur Jean-Baptiste Augustin, qui m'a fait rager énormément puisque elle était sortie peu après ma vidéo de l'or sur Jean-Baptiste Augustin. Et c'est un bijou. Honnêtement, c'est un bijou. Vous avez ce qui est chiant et ce qui est super présenté sur cet artwork, puisque le Poids du Passé, c'est une super nouvelle sur justement comment Jean-Baptiste Augustin a rejoint la griffe, comment il a pu se trouver des amis malgré tout dans la griffe, donc il a des griefs envers la griffe. Et on voit que c'est un personnage très intéressant, qui veut le bien, mais qui a ses propres démons à l'intérieur, et il veut faire d'autres choses, et c'est vachement intéressant. On y fait la rencontre de deux personnages, que l'on évoquera après, qui seront probablement amenés un jour à rejoindre le jeu Overwatch. Donc ça c'est super intéressant, je vous la conseille énormément par contre cette nouvelle, elle est vraiment cool. Donc voilà pour les nouvelles, il n'y a que deux nouvelles en deux ans et demi, que deux nouvelles qui sont sorties, ça fait pas beaucoup. Donc voilà, je vous avais dit qu'on parlerait des futurs héros d'Overwatch suite à ces avancées dans le lore. Echo, j'en avais parlé dans la cinématique sur Retrouvailles, donc Echo qui serait un période, alors ce n'est pas un des fondateurs d'Overwatch, mais qui a fait partie de ce que j'appelle la période de l'âge d'or d'Overwatch, où Ange Winston avait rejoint Overwatch. Echo faisait également partie de cette troupe, et c'est Macri qui la réveille. Nous avions Nguyen et Moga, que vous voyez qui sont des agents de la griffe, donc des méchants entre guillemets, et qui ont été tout simplement des contacts de Jean-Baptiste Augustin, donc Baptiste. Moga étant un petit peu le meilleur pote tout simplement de Baptiste, et Nguyen son officier de liaison, donc un de ses supérieurs. Et ce qui est super intéressant avec le lien Moga-Baptiste, j'en parlais beaucoup avec Evan Essor qui m'a énormément aidé à réaliser cette vidéo, et je mettrai dans la description, n'hésitez pas à le suivre si vous aimez les vidéos et des anecdotes de lore, principalement sur Warcraft, mais probablement aussi un petit peu sur Overwatch et sur d'autres licences Blizzard. Il m'a énormément aidé, je l'en remercie, et on avait une petite discussion ensemble, et c'est vrai que la relation Baptiste-Moga me fait énormément penser à la relation Raynor-Ticus, et Moga c'est le Ticus Finlay d'Overwatch. C'est une armoire à glace, c'est le néo-zélandais, ou tout simplement le Tonga, je pense qu'en plus ça serait plus un Tonga, donc le mec des îles ultra baraque n'est pas forcément un mauvais bougre, mais il est fait sur la part des choses, il essaye de trouver sa place un petit peu dans le monde, il doit gagner de l'argent hein, pour pouvoir vivre et autres, il aime bien se battre malgré tout, mais c'est pas un mec qui a un mauvais fond, et notamment il a sauvé la vie de plusieurs fois de Baptiste alors qu'il avait des ordres de le tuer. Donc je vous laisse encore une fois aller voir la nouvelle, c'est super intéressant, et il y a vraiment le lien Raynor-Ticus, je trouvais, dans Baptiste et Moga. Nguyen, lui, on sent qu'il est vietnamien, et on sent qu'il... Thaïlandais ou vietnamien, j'ai un trou. Bon, c'est pas grave, c'est Asie du Sud-Est, et c'est vrai qu'Nguyen, c'est typiquement le mec plus calculateur, plus froid, et qui est assez intéressant.
donc probablement un des futurs personnages également à rejoindre Overwatch. Nous avons ensuite Soyeon. Soyeon, on ne sait pas encore ça ou ce jour, non, moi je préfère prononcer Soyeon personnellement. Donc c'est un personnage qui fait partie d'Overwatch, un des agents de liaison. Nguyen est un agent de liaison de la griffe, Soyeon est un agent de liaison d'Overwatch, donc qui semble être dans la hiérarchie assez haut. C'est un personnage qui a été montré plusieurs fois, qui apparaît dans la cinématique Recall de Winston, mais qui est également présent dans les fichiers début du jeu, dans les artworks préliminaires. Et Soyeon, on ne sait pas encore sa nationalité. Vu la prononciation, ça fait très néerlandais. J'aurais tendance à penser que Soyeon est sud-africaine. On verra, peut-être qu'elle est américaine ou autre. J'aurais tendance à penser qu'elle est sud-africaine. Avec la prononciation et autres, ça fait très néerlandais. Peut-être que je vise complètement à côté. Mais en plus, je trouve que l'univers d'Overwatch, si vous suivez mes vidéos, l'univers d'Overwatch, il y a vraiment le côté tolérance. Il y a beaucoup de messages politiques forts au niveau de la tolérance entre les peuples et autres. Notamment omniaque et humain, mais même au sein même des humains. Mettre un Sud-Africain, ce serait la boucle est bouclée, quoi. Ce serait vraiment super important par rapport aux thématiques du pays. Donc ensuite nous avons Maximilien qui avait été introduit avec Ballet Masque, donc la BD d'origine de Doomfist qui permettait voilà, d'exploiter un petit peu plus Doomfist. Donc Maximilien qui est le gestionnaire et le financier de la griffe, donc un des agents, une des têtes pensantes de la griffe à l'heure actuelle. Ensuite j'ai mis Omniac. Pas content, évidemment, bon, c'est en gros un terroriste, c'est celui qui a cet échange, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, avec Doomfist, qui est probablement un omniaque du Caire. Alors, pas mal de théories là-dessus. Est-ce que ce serait quelqu'un du secteur 0, donc un des omniaques qui s'était, puisqu'il y a ce côté violet et autre, donc c'est la plupart des omniaques du secteur 0 avaient ce code couleur, qui se serait réfugié en Égypte, ou est-ce que ce serait un omniaque égyptien qui chercherait à augmenter, on va dire améliorer les droits des omniaques en Égypte. J'avais une autre théorie potentiellement, c'était un petit peu plus de mon cru celle-là, mais n'oubliez pas, ça pourrait permettre de faire le lien avec Pharah. Pharah s'était battu contre une intelligence artificielle qui avait été conçue pour essayer de se battre contre les Omniums, et nous avons donc c'était Anubis, l'intelligence artificielle Anubis. Elle a été détruite entre temps et remise en stase. Il est possible que, comme c'est une intelligence artificielle, elle ait pu se télécharger dans un Omniac pour avoir un corps synthétique. Donc peut-être que ce serait en fait Anubis, ce personnage-là. En tout cas, pas mal de théories pour la suite, ça pourrait être très intéressant de l'avoir. Et donc ce serait forcément un personnage de la griffe, ou en tout cas avec beaucoup de liens avec la griffe. Et ça permettrait d'essayer de lier pas mal de personnages les uns entre les autres, et par exemple une rivalité avec Pharah et Anna. Donc Mogar, on l'a déjà dit avec Baptiste. Alors la reine de Junkerton, qui avait été déjà évoquée au début d'Overwatch, mais c'est surtout la map de Junkerton qui avait énormément hypé. Les gens avaient été hypés par la reine en fait, puisqu'on entendait la reine qui présentait un petit peu la carte. Et je vous conseille de regarder la vidéo, elle est super, moi je l'avais regardée plein de fois, j'avais trouvé génial. Et il y avait des posters et autres. La reine de Junkerton, c'est typiquement le personnage féminin très fort qu'on a dans pas mal d'univers post-apocalyptiques, que ce soit du Rage, du Borderlands ou même tout simplement du Mad Max, avec des personnages féminins forts. Donc la reine de Junkerton, on a un petit peu une image déjà qui a été faite, mais ça se trouve elle va être changée par la suite. Peut-être qu'ils en feront peut-être une australienne ou une aborigène, on sait pas trop, mais en tout cas voilà, la reine de Junkerton, ça devrait sortir très probablement. En tout cas ce qui est sûr, c'est que les développeurs d'Overwatch bossent dessus. Et ensuite donc d'ailleurs je peux faire une petite parenthèse pour parler de ces futurs héros. Certains sont plus théoriques que d'autres, mais d'autres sont déjà en cours de développement. L'équipe de développement d'Overwatch travaille sur certains persos. C'est le cas d'Echo, c'est le cas de Moga, c'est le cas également de Soyeon et de la reine de Junkerton. Ça c'est sûr, ça a été confirmé par Jeff Kaplan et d'autres développeurs d'Overwatch. Ils bossent sur ces 4 persos. Et ils essayent de voir comment ils pourraient intégrer Maximilien au jeu. Donc pour le moment Maximilien théoriquement pourrait faire son apparition, mais là par contre c'est pas confirmé. Eux-mêmes savent pas trop quoi faire, parce que c'est vrai que c'est un banquier au final, hein, Maximilien. Mettre un banquier en jeu dans Overwatch, c'est compliqué, donc il faut essayer de trouver un gameplay qui pourrait être intéressant. Il balance des biftons comme ça. Zenyatta balance des orbes, il balance des biftons. Non mais ça pourrait être assez intéressant de voir un petit peu travailler sur les points, probablement avec un pistolet peut-être un peu plus mafieux, peut-être faire appel à un petit peu à l'image d'Ash, à des sbires. On verra comment ça va se passer. Et je fais mon ouverture, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les 1 an, Liao. On n'a toujours pas d'infos sur Liao, mais je persiste et je signe. Liao, c'est l'un des membres fondateurs d'Overwatch et on n'a aucune info. On ne sait pas si c'est le personnage féminin ou si c'est un robot ou si c'est un personnage masculin. On ne sait pas du tout, mais Liao, c'est quand même un des membres fondateurs d'Overwatch et on n'a toujours aucune news dessus. Donc il est évident qu'à l'avenir, on aura des infos sur ce personnage. Qu'il soit mort ou pas, on aura des infos dessus.
Ça me permet de faire une transition grâce à l'IAO vers le fait qu'il y ait bien sûr d'autres personnages que je n'ai pas listés dans l'artwork précédent, mais qui pourraient être, qui pourraient arriver bien entendu. Et notamment, on se rappelle de la cinématique des origines de Sombra avec la conspiration et cette Iris, cette organisation qui serait même au-dessus de la griffe et qui manipulerait le monde dans l'ombre. Donc ça nous permet d'avoir potentiellement plein de personnages qui pourraient intégrer Overwatch. Que ce soit l'idée de toute façon que quand il y a des nouveaux personnages, ils doivent essayer de lier d'autres personnages, parce que je rappelle qu'ils viennent de plein de pays différents, il faut essayer de les lier avec des histoires, et notamment Baptiste par exemple à la fin de la nouvelle, eh bien va rentrer en contact avec Ange, et pour pouvoir rentrer en contact avec Ange, il utilise un de ses contacts, son bras. Voilà, ça permet de faire des connexions entre les différents personnages pour pouvoir créer une intrigue intéressante et qui puisse être prenante tout simplement. Parce que ce qu'on a envie, c'est de nous faire rêver avec les histoires. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc Sombra, avec cette conspiration, il y a plein de portes qui sont potentiellement entrouvertes et que Blizzard eh bien, ouvrirait à l'avenir. Et ça justement, ça me permet de parler... Alors, il y aura pas, je ne vais pas parler des leaks et autres, à part bien sûr la possibilité, je suis obligé d'en parler, pour la suite de l'histoire d'Overwatch, c'est Overwatch, la théorie d'Overwatch 2, qui se confirme peut-être ou pas, on verra. Mais c'est vrai qu'Overwatch 2, ce projet comme quoi ça a déjà été confirmé par les développeurs de Blizzard, qu'il y aurait beaucoup plus d'ajouts d'histoire pour Overwatch, et ça expliquerait peut-être pourquoi au final, c'est dans ces 2 années et demie, il y a eu très très peu d'ajouts d'histoire. Peut-être que tout simplement, ils ont voulu vraiment développer un énorme projet qui va sortir, qui serait la suite du projet Titan. Je rappelle, Overwatch, c'est le projet Titan à la base chez Blizzard, qui devait être un mode solo, un même RPG, mais avec beaucoup d'histoires solo coop, on va dire, coopération. Et il est probable que justement cet Overwatch 2.0 amène toute cette histoire, ce mode campagne peut-être. Hein, et je rappelle qu'en tant que fan de Warcraft, Starcraft et autres, les modes campagne généralement, pour ce qui est de Warcraft et Starcraft, ça permet de faire plutôt avancer les intrigues, hein, c'est plutôt sympa. World of Warcraft, coucou. Mais du coup, Overwatch 2, justement, cet Overwatch 2 pourrait amener énormément de choses à l'histoire, et le fait qu'on ait fait une espèce de traversée du désert loristique pendant 2 ans et demi, eh bien, on arrive à cette oasis avec ce puits de nouvelles histoires, de nouveaux protagonistes, de nouveaux personnages. Ça serait évidemment le feu, ça serait super intéressant. C'est ce qui me hype, parce que c'est vrai que dernièrement, on a eu tellement peu de choses à se mettre sous la dent que moi, bah plutôt que de rentrer, on va dire, un peu en hater, en mode « Oh là là, on a toujours rien », j'ai préféré m'intéresser à d'autres licences. Mais c'est vrai que Overwatch est une histoire super intéressante qui peut nous permettre... En fait, on a les fondations, maintenant il faut essayer de faire fleurir tout ça. Et justement, le Overwatch 2 pourrait être cette clé, cette porte qui pourrait nous permettre eh bien, enfin d'avoir beaucoup de choses pour se sustenter sur l'histoire d'Overwatch. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de rétrospective vous aura plu. Il y avait, alors si jamais il y a des points que j'ai pu oublier, c'est possible, n'hésitez pas bien sûr à me les mettre dans les commentaires et autres. Je vous invite évidemment à liker, partager, vous abonner à la chaîne. Je prévois bien sûr de faire d'autres vidéos d'Overwatch, notamment Moira. Même si ça n'avance pas, si jamais ça n'avance pas, je ferai quand même des vidéos sur Moira et les différents personnages qui sont sortis récemment, à qui je n'ai pas pu, par exemple notamment aussi Sigma, auquel je n'ai pas pu faire de vidéo. Encore une fois, c'est très dur pour moi parce que je veux faire une vidéo bien sûr le jour J, si possible, quand le personnage sort, mais je préfère avoir une vidéo plus complète, en ayant plus de morceaux, enfin plus de choses à présenter et à évoquer. Donc souvent j'attends une bande dessinée ou même une cinématique, des fois il n'y a rien. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Et j'en profite aussi pour faire encore une fois un grand remerciement à Evanessor qui m'a... Sans lui cette vidéo n'aurait pas eu lieu tout simplement, donc merci à lui qui m'a aidé sur pas mal d'images. La plupart des images que vous avez vues sur cette vidéo c'est de lui, et c'est lui aussi qui, avec moi, nous avons été les deux paléontologues à brosser, à essayer de frotter un peu partout pour essayer de récupérer tout simplement les points de l'or qui se sont un petit peu perdus dans la roche des 3 ans d'existence d'Overwatch. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, à plus.